Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Cette semaine, nous abordons le sujet de la résurrection, la vie après la mort. La perspective de la mort est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. C'est une fatalité qui nous dérange. Personne n'aime entrevoir sa propre mort. On aime bien plus penser à la vie. Je vous invite à écouter les réponses des gens qu'on a interrogés à ce sujet. Mais moi, personnellement, je crois qu'il y a une vie après la mort. Je sais pas trop. Il y a une partie de moi qui y croit, mais je sais pas. Je demande encore à être convaincue. Une possibilité, mais je peux pas vous le dire vraiment. C'est pas prouvé. C'est une bonne question. Je sais pas vraiment. Moi, je suis plus du genre. Non, je suis pas du genre. C'est dur. Non, c'est dur à décider. On dirait, il y a tellement. On dirait aujourd'hui que... Tant qu'à moi, c'est une évidence. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont sceptiques par rapport à ça. Bonjour Jean-Pierre. Allô. Encore une fois, dans le Vox Pop cette semaine, je suis étonnée de voir qu'il n'y a personne qui avait une opinion arrêtée sur le sujet de la vie après la mort. Ouais, mais moi, ça ne me surprend pas tellement, Valérie. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais il me semble que je perçois que dans notre société, l'idée de la mort, c'est de moins en moins présent. Avant, il y avait comme une crainte de la mort. On le voit, par exemple, dans tout ce qui entoure les services funéraires. Tu sais, il y avait des cérémonies, il y avait un protocole, il y avait des choses qui étaient faites. Aujourd'hui, les gens meurent. Très souvent, il n'y a pas de service funéraire, il n'y a pas d'exposition de corps. Finalement, c'est comme ça. On dirait qu'on veut évacuer de notre vécu l'idée de la mort, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction. Mais en même temps, on voit, comme par exemple, on voit des émissions qui apparaissent, on parle des fantômes, la chasse aux fantômes. Mmh. D'un côté, on veut évacuer la mort, mais de l'autre côté, on exploite un peu cette idée de la mort. On dirait que les gens sont gardés dans l'illusion. Et moi, je pense qu'il y a possibilité, quelque part, de trouver la vérité face à la mort et surtout sur l'idée de notre thème de l'émission aujourd'hui, la résurrection, le retour à la vie après la mort. Oui, merci Jean-Pierre. Puis justement, si vous avez une opinion à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter, à communiquer avec nous. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.